toi, tu veux? Et votre mère vous a jamais appris à la fermer? Comment elle va, votre mère? Assunta. Une dame formidable. C'est une femme forte. Je suis sûr qu'elle va s'en tirer. Je me rappelle quand vous étiez pas plus grand que ça. Tous les matins, elle s'occupait des animaux de la récolte. C'était son gagne-pain, mais ça ne suffisait pas. Alors, pour compléter ses maigres revenus, elle préparait les fameux stiglions. Ce sont de longues brochettes d'intestin d'agneau, recouvertes de marinade sans secret. Et elle allait comme ça, dans la rue, avec son tonneau fendu dans la longueur. Elle le posait là, sur les tréteaux. Mettait du charbon. Et une fois que la braise a bien pris, elle les faisait cuire sur une grille pour les vendre aux passants. Un sou le stiglione. J'ai toujours connu cette femme dans le travail, le silence. Mais c'était aussi une fine lame. Elle était redoutable. C'était fascinant de la voir couper l'ail. Elle prenait une lame de rasoir. Elle les coupait en très fines tranches, comme ça. Ça, et une bonne rasade de son huile d'olive dans la poêle. Femme fantastique. Oui, patron. Tu veux envoyer des fleurs à Sunta? Un bouquet de glaïeuls. Des glaïeuls? Des glaïeuls. Mais elle habite à 300 km d'ici, Assunta. Enfin, je vais arriver demain, moi. Mais je m'en fous! Allez, prends ton chapeau et file! Assieds-toi, Renato. Assieds-toi! T'as entendu? Jamais! Plutôt crever, pète-toi dans la main les couilles de l'autre! Angelo, c'est moi! Je suis invincible! Personne ne peut me vaincre! Personne ne peut me vaincre!